Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un nouvel épisode de Devenez une légende. Donc je me suis dit que je vous avais posté cette semaine deux raids en OP8, donc le Voracide avec la sirène et les anciens dragons avec le défroyeur. Pas que j'avais pu vous mettre ce week-end un petit épisode de Devenez une légende sur une arme qu'on m'avait demandé lorsque j'en avais parlé et qui est assez peu connue, qui est le sniper Moxie, cher ami. Donc je vous le conseille en dégâts de feu. Préfixe qu'il vaut mieux avoir, c'est Gentleman, vu que c'est un sniper Maliwan, mais moi j'avais la flemme de farm, alors j'ai pris le premier qui m'est venu parce que j'en avais marre de farmer tout simplement des arbres. Donc pour ce faire, il faut vous rendre tout d'abord à Iridian Blight. Vous spawnerez juste ici, donc vous prenez la voiture, pour passer par la porte Hyperion. Vous allez vers là où il y a Nal, et juste après Nal, vous avez l'endroit pour aller à Orgasme, ou Orgasme si vous préférez, bien entendu, petit jeu de mots du jeu. Bref, il faut aller là-bas pour pouvoir faire un petit massacre d'Hyperion de Moxie, et c'est à la fin qu'on obtient cette arme, qui est une excellente arme Moxie. En l'occurrence, la plupart des armes Moxie vous régénèrent, non, même toutes les armes de Moxie vous régénèrent un petit peu de vie en fonction des dégâts qu'elles font. Celles-ci, son taux de régénération est de 5%, donc 5% des dégâts va à notre vie, ce qui se relève être assez peu, mais en fait, c'est 5% qui sont directs, en fait, c'est-à-dire que 100% des dégâts que vous ferez avec cette arme vous seront redonnés à votre vie. Je vous explique. Lorsque vous faites par exemple 100 000 de dégâts, il y a 5% qui vous sont directement régénérés à votre vie. Et après, il y a deux petites orbes, comme quand on fait des modes de grenade transfusion. Il y a deux petites orbes de soins qui vont vers vous et qui contiennent le reste du dégât qui ne vous est pas rendu immédiatement, tout simplement. Et c'est selon moi une des meilleures armes Moxie, également un excellent sniper, tout simplement. Donc pour pouvoir faire ce cercle du massacre, je vous conseille un Nerflit Corrosive, un petit Redundant, comment est-ce qu'il s'appelle, Logan's Gun. Donc Redundant n'est pas obligé, mais moi j'ai un Redundant, j'ai réussi, j'ai loot une fois et c'était un Redundant. Donc vous le prenez en bas level simplement pour pouvoir vous rendre des munitions avec un Shame et une grenade et une relique qui vous redonne des munitions tout simplement de lance-roquette, non, qui augmente les dégâts corrosifs et le temps d'attente. Je me suis roulé, mais c'est pas grave. Donc voilà, et donc là, c'est la cinquième manche que ça nous le donne, tout simplement. Tout simplement, lorsqu'on commence le massacre, c'est 3 vagues, et à chaque fois qu'on fait une manche en plus, il y a une vague en plus, et là, savoir que maintenant, c'est 7 vagues, pardon, et elles sont passées assez rapidement, quoi. Les 7 vagues, je les ai faites en un quart d'heure, même pas. Donc vraiment ça passe hyper vite, si vous avez ce combo ça passe tranquille. Sinon honnêtement moi je galérais trop et j'arrive pas sans ce combo, tout simplement. C'est un massacre trop difficile, je trouve, tout simplement. Donc là j'essaye de faire un glitch que quand on tire, pardon, on se recharge, on tire et on tire en fait. Dès que le rechargement est fini, on appuie sur la touche de tir et on fait une attaque au corps à corps. Et ça nous permet de tirer tout simplement une balle et ça fonctionne avec n'importe quelle arme, tout simplement. Donc je me suis inscrit suite aux demandes de certains abonnés au forum Border Gamers France, enfin Borderlands France, tout simplement. Donc je m'y suis inscrit. D'ailleurs là-bas je remercie les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont un petit peu expliqué comment ça fonctionne. Que voilà, j'ai réussi à faire le glitch parce que je trouve que c'était plutôt sympathique. Mais par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il fallait pas mettre de lien. Donc j'avais fait en haut du truc Squall 67 youtubeur francophone. Sur Borderlands 2 avec le lien de ma chaîne, et directement l'admin du site m'a foutu un alerto, je sais pas exactement, un aberto, enfin voilà, je vais dire entre guillemets une sorte de strike, tout simplement. Je me suis pris dans la gueule et directement, enfin je sais pas quelles conséquences ça aura par la suite, si ça me limite des interactions ou quoi, mais j'étais assez déçu. Mais bon, en fait c'est ma faute parce que j'avais pas lu tout simplement les règles, honte à moi, je m'en excuse, je les ai toutes lues d'ailleurs, on m'a un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Et donc si l'administrateur, ce qui m'étonnerait mais c'est pas grave, si regarde cette vidéo, je tenais à m'excuser, ou à mode je m'excuse. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait qui regardent la vidéo, c'est pas grave, je m'en excuse quand même. Et d'ailleurs je tiens à remercier les abonnés qui m'ont recommandé ce site pour la simple raison que honnêtement là-bas les gens sont sympas et tout, moi personnellement j'apprécie et je trouve ça vraiment très bien, il y a plein d'astuces, etc. Donc voilà, alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous mette dans la description de ma chaîne et dans les commentaires de toutes mes vidéos un lien vers ma page sur le forum
Vous allez voir, parce que dessus je vais mettre pas mal d'astuces et ça va être un petit peu comme mon compte Twitter mais pour Borderlands, tout simplement. Parce que mon compte Twitter je mets juste les vidéos et là je mettrai pas les vidéos, je mettrai tout simplement toutes mes astuces et tout ce que je vous propose, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez dans les dans la description de chaque vidéo et de la chaîne. Donc là, hop, à la fin du massacre, on a le cher ami. Vous allez d'ailleurs avoir un petit bonus après le test là à Lynchwood, de moi qui trouve un rack charnu. Il me loutera rien, mais c'est juste que le rack charnu, c'est quand même assez rare d'en avoir. Donc voilà, donc encore une fois, comme je vous ai dit, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'aiderait de ce point, ça me plairait. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc c'est un sniper, si vous avez le préfixe gentleman, si vous avez un bonus de dégâts critiques de plus... plus 120%, qui est donc le meilleur préfixe pour cette arme-ci. Prochaine arme unique que je vais vous faire, ça va être le Buffalo. D'ailleurs, je travaille également sur une nouvelle série qui s'appellera Parcours de Farm. Où en fait, par exemple, le premier parcours, c'est sur Lynchwood. Et en fait, je vous montre un parcours optimisé pour farmer tous les boss de chaque zone en un farm, simplement en optimisation. Donc là, j'ai The Fridge, Lynchwood et The Dust. Je vais vous faire également... Frostburn Canyon, et après, dites-moi, dès que je passerai ces vidéos, dites-moi dans les commentaires, je vous dirai tout simplement de me dire dans les commentaires quels sont les trucs que vous voudriez, tout simplement. Donc voilà, alors pour moi, cette arme, c'est un excellent sniper. Alors là, bon, pas eu de chance, bien entendu, je me tape le Brutal Ultimate direct, c'est cool. Chain Lighting est plutôt pas mal également pour régénérer votre vie. Donc j'ai également préparé la vidéo des compétences de ma sirène, tout simplement. Donc elle arrivera dans quelques temps. On peut voir, hop là, là, il y a les orbes qui vous arrivent dessus, tout simplement. Donc voilà, alors là, hop, on fait du dégât. Bon, la régénération de santé, vu que c'est que du 5, je sais plus si c'est 5, je sais plus si c'est 5 ou 3%. Je sais plus tout, il me semble que c'est 5, mais ça se trouve c'est 3. Peut-être que je confonds l'arme avec une autre arme de Moxie, tout simplement. Donc c'est soit 5, soit 3% sur le coup, et après on est directement régénéré full life avec le reste des dégâts qui nous vient via des petites orbes. Donc là, et il est décédé, tout simplement. Donc après la sirène, le personnage que je vous présenterai, ce sera mon assassin, puis après Krieg, et enfin Gage, tout simplement. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.